Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un petit vlog sur le week-end. Dans le courant de la semaine, j'ai fini plusieurs de mes lectures en cours et c'est vrai que du coup ça m'a un peu motivée et j'ai plein de livres qui me font super envie. Déjà hier soir, j'ai commencé avec les lives, donc les reading sprints de Elise, donc Book and Cup. Pendant ça, j'ai terminé ma lecture en cours en pause de Un hiver sans fin par Kieran Millwood Hargrave. C'est chez Michel Lafon, il s'agit d'un récit jeunesse. Je l'avais commencé, je crois, fin février, au moment où c'était encore l'hiver. J'en étais à la page 100, donc j'ai fini, j'ai fait 250 pages. C'est un récit jeunesse qui parle de l'hiver avec quelque chose qui enlève les hommes du village. Et nous, on suit donc trois sœurs, leur père est parti, a été enlevé, elles savent pas vraiment, il y a pas mal d'années, et là c'est leur frère qui vient de partir, et du coup elle se lance à sa piste pour essayer de le retrouver et éviter qu'il soit lui aussi enlevé. C'est un récit qui est très bien écrit, mais par contre je trouve que le récit n'est pas forcément facile à suivre. Je sais pas si c'est l'écriture de Kieran Millwood Hargrave qui est comme ça ou si c'est la traduction. J'avais déjà lu La fille d'encre et d'étoiles et c'était un petit peu le même retour que j'avais eu malheureusement. Par contre j'ai dans ma pile à lire Les Graciers qui lui est publié en adulte et j'espère qu'il me plaira davantage. Et puis sur le dernier sprint de 20 minutes j'ai lu Look Back par Tatsuki Fujimoto, qui est donc un manga qui parle de l'histoire de deux filles qui vont se rencontrer en primaire. Elles sont toutes les deux passionnées de manga et elles dessinent et elles vont commencer finalement à en dessiner ensemble pendant leur collège et leur lycée jusqu'à être publiées. Ça finit de manière assez particulière, en plus il y a un peu deux fins alternatives, on ne sait pas très bien si c'est une vraie fin et celle que la protagoniste imagine si les choses avaient été différentes. C'est-à-dire que j'ai pas aimé, juste que ça m'a laissé complètement indifférente. Adrien arrive demain, en sachant que demain on va à Quimper, enfin il arrive à Quimper et du coup on va passer la journée sur place. Aujourd'hui et demain c'est Nina Quill qui organise un petit readathon de 48 heures. Pour l'instant aujourd'hui j'ai pas lu en papier, par contre j'ai bien avancé dans ma lecture audio des Mondes des Willan, le tome 3. J'en suis à 3h30 restante sur 9h à peu près. Mais j'aimerais bien le finir avant qu'Adrien arrive, peut-être sur la route pour aller à Quimper pour aller le chercher, ce serait pas mal. On est donc, comme je disais, on est samedi 8 avril, demain donc dimanche, lundi 10 c'est le lundi de Pâques donc qui est férié et je travaille pas non plus mardi et mercredi. J'espère profiter un petit peu de ce temps libre pour lire, même si j'ai aussi d'autres choses à faire. Cette petite sélection ici, ce sont les livres qui me font le plus envie dedans. Et puis là, après, à côté, c'est plutôt des graphiques qui me font vraiment bien envie aussi. Donc voilà, on verra ce que je lis parmi tout ça. Je suis ressortie avec ces deux-là, Persona qui me fait envie depuis sa sortie, mais j'attendais d'avoir fini un petit peu mes lectures en cours, parce que j'en ai beaucoup trop. Et puis Les Contes Suspendus, le tome 3 de Capitale du Sud, parce que voilà, j'adore cette série, c'est sorti cette semaine. Après, je suis pas très fan de cette couverture, par contre l'ensemble de toutes les couvertures, ça fait une fresque qui va être vraiment super belle. Salut, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais super envie de lire, etc. ce week-end, est-ce que j'ai lu aujourd'hui ? Non. Là il est 23h53 et j'ai pas lu en livre physique, par contre j'ai bien avancé dans Les Mondes des Willan. Il me reste plus que 40 minutes, j'en suis à 92% je crois. Je pense que je vais lire, je sais pas encore très bien ce que je vais lire ce soir. J'ai sorti un livre mais comme ça fait 3 fois que je change, on verra. Et puis surtout là ce soir il faut que je me démaquille pour ensuite pouvoir mettre un délicieux masque avec une délicieuse Charlotte Roux sur ma tête, puisque j'ai prévu, je l'ai déjà fait il y a plusieurs fois, si vous me suivez depuis longtemps vous aviez déjà vu, j'ai prévu de recouper mes cheveux beaucoup, parce que en ce moment ils sont
vraiment très long, de faire un don. Sauf qu'avant de faire un don, je voudrais faire un soin. Comme je sais que ça va me faire une tête absolument merveilleuse, je repousse un petit peu loin. Dimanche, il est bientôt 14h, je vais pas tarder à aller chercher Adrien qui vient passer quelques jours à Brest. Je venais pour vous parler du livre que j'ai fini ce matin, des deux livres que j'ai fini ce matin. Tout d'abord, ce matin, j'ai fini Les Mondes d'Ewilan, le tome 3. Il me restait, comme je vous avais dit, à peu près 40 minutes à lire, enfin à écouter puisque je l'écoute en livre audio. J'ai bien aimé ce tome 3, plus que le tome 2 qui m'avait pas énormément convaincue. Après, je pense que je préfère quand même la quête d'Ewilan, même si dans les mondes d'Ewilan, les personnages sont plus âgés. Ils sont intéressants à suivre dans leurs réflexions, mais d'un autre côté, il y a un petit peu trop de côté de redite, je trouve, avec la quête d'Ewilan, dans le sens où, à nouveau, tout le groupe... Alors, pareil, j'adore tout le groupe, mais c'est juste que on a déjà eu dans la quête d'Ewilan tout le groupe qui part en quête de quelque chose pour sauver le monde et c'est Ewilan qui réussit à sauver le monde. Globalement, on retrouve un petit peu ce schéma. Il y a quelques personnages qui meurent, mais bon, c'est pas les personnages les plus importants et c'est pas les personnages auxquels on est les plus attachés dans la série, donc je trouve que c'est un petit peu en quelque sorte des choix faciles. Donc voilà, quelques petits défauts comme ça, et puis surtout à partir du tome 2, et c'est pour ça que le tome 2 m'a pas autant plus, il y a un triangle amoureux qui se met en place autour d'Ewilan et qui m'a insupportée. Vraiment, le personnage de Liven, c'est le top de mon personnage que j'aime le moins dans la série, bien avant Eléa, etc., hein, tous les méchants qu'on veut. Vraiment, Liven, je trouve que son personnage ne sert à rien dans l'arc narratif, il aurait pu juste être un pote et puis voilà. Mais non, il faut qu'il soit amoureux d'Ewilan, qu'il lui fasse des grandes déclarations enflammées. Et de manière générale, je trouve que tous les personnages féminins dans les mondes d'Ewilan, déjà un petit peu dans la quête mais encore plus dans les mondes d'Ewilan, tous ont plusieurs mecs qui sont amoureux d'eux. Voilà, tous. Toutes les filles de ce bouquin, a priori, sont toutes des gigabombes parce que absolument toutes, méchantes, pas méchantes, ados, adultes, n'importe qui, ont plusieurs hommes qui sont intéressés par elle. Alors pas forcément tous qui ont envie de sortir avec elle, mais ont plusieurs hommes qui littéralement bavent et perdent leur cerveau quand ils les voient. Ça reste quand même une série que je trouve chouette, j'aime beaucoup tous les différents personnages, etc. Mais c'est vrai que du coup, par le fait que ça fasse un petit peu trop redite, du coup je pense que j'ai préféré quand même la quête d'Ewilan. Et puis du coup, ce matin, et là je viens de terminer, Là où règnent les baleines par Jolane C. Bertrand chez l'école des loisirs dans leur collection Medium. C'est un très très chouette récit. Alors déjà d'extérieur il est très joli, et d'intérieur c'est un récit qui a la particularité d'être imprimé, non pas en noir mais en bleu foncé. On suit l'histoire de Rohan, qui est une adolescente, je crois qu'elle a 13 ans, qui est envoyée chez son oncle Kardik, qui habite au bord de l'eau, qui habite en fait sur une île, sur un phare. Elle est envoyée là-bas par sa mère parce qu'elle a eu quelques soucis et qu'elle pense que sa fille a besoin pour l'été de se couper du monde et notamment des réseaux sociaux et de différentes choses dans lesquelles elle est prise, et du coup elle l'envoie chez son oncle qui en fait vit non seulement sans internet mais tout simplement sans électricité. Elle est un peu dépitée, voire complètement dépitée à l'idée de passer l'été là-bas, sauf que finalement elle va découvrir que son oncle est un petit peu bizarre
et puis qu'il y a d'autres choses un petit peu étranges, et elle va découvrir tout ça. C'est un récit qui est vraiment super chouette, je l'ai complètement dévoré sur la matinée. Ça parle forcément d'écologie puisqu'on parle d'océan, etc. Ça parle aussi de différence au sens large, et c'est vraiment un récit que j'ai trouvé très touchant, qui m'a beaucoup plu. C'est pas un récit qu'on a beaucoup vu passer, je trouve ça dommage, mais vraiment je vous invite à le découvrir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez tout l'univers marin, etc. En plus, c'est un récit qui est quand même assez original, qui part pas sur trop de clichés. Notamment, c'est un récit dans lequel il n'y a absolument aucune romance. C'est un récit avec pas mal d'humour, je trouve, que ce soit par le personnage de Rohan ou par le personnage de Kerdic. Voilà, je verrai ce que je lis après, je sais pas encore. On verra. Aujourd'hui, on a été à Quimper. Je vous aurais mis du coup quelques petites images. C'était vraiment très mignon, on ne connaissait pas du tout. Après, on est vraiment resté dans le centre-ville historique avec les canaux, etc. Du coup, là, j'avais bien envie de lire un graphique avant de réattaquer un roman. Et du coup, j'ai fait choisir Adrien à l'aveugle. Il s'agit de The Wicked plus The Divine, qui est une série de comics, je pense ma série de comics en fait préférée, et j'ai pas encore lu du coup ces deux derniers tomes, le tome 8 et 9, c'est la fin de la série, c'est la conclusion, j'ai hâte de les lire, et en même temps je suis un peu triste de me dire que ça y est c'est la fin, mais c'est vraiment une super chouette série, les dessins sont incroyables, et c'est une histoire du coup avec des réincarnations et un panthéon de divinités qui se réincarnent à peu près tous les 100 ans, qui connaissent une gloire énorme mais très fugace, avant de tous mourir. Hier soir, j'ai lu le tome 8 de The Wicked plus The Divine. J'avais oublié que c'était un tome hors série. C'est pas illustré par les illustrateurs principaux, donc du coup c'est pas le même style graphique, je trouve ça moins beau. Du coup, pour vous montrer un petit peu, donc c'est celui-ci, le tome 8. C'est séparé en trois parties, donc les chapitres bonus qui sont juste d'autres occurrences à d'autres époques, les chapitres spéciaux, c'était sorti à Noël mais ça n'a pas de lien avec Noël, c'est juste les petites rencontres des différents couples, et puis à la fin on a donc la partie des Fenises avec un peu comme des fanarts par différents autres auteurs. Et je vous montre un petit peu, donc voilà, typiquement donc le premier qui se passe donc à l'ère romaine, alors il y a pas mal de scènes très sanglantes, j'essaie de vous les éviter. Ensuite on a celui-ci qui se passe plutôt au Moyen-Âge avec l'époque de la lèpre, etc. Celui-ci qui est encore une autre époque un petit peu plus tard, donc à chaque fois c'est des styles différents. Et puis donc celui-ci qui est complètement en noir et blanc, qui se passe en 1923, que j'ai bien aimé. Et d'ailleurs celui-ci c'est un petit peu différent parce que c'est un mixte entre du texte nouvelle et du graphique comme ça. Ensuite on a la partie les différentes relations. Je fais attention à ce que je vous montre. Et donc là, on a la partie avec les Fenises. On a d'autres choses différentes.
Salut, je vous reprends, on est mardi soir, je suis passée chez le coiffeur. La dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit du coup que j'étais en train de lire The Wicked plus The Divine. J'ai enchaîné du coup hier matin avec le tome 9, donc tout va bien. Ici on retrouve du coup vraiment le dessinateur classique puisque c'est la fin, donc le tout dernier tome de cette série. C'était vraiment super chouette, j'aime vraiment beaucoup cette série, donc je suis contente de l'avoir enfin finie puisque finalement ce tome 9 est déjà sorti il y a... je pense au moins un an. Hier, on s'est promené, on a fait une jolie promenade. Je vous aurais mis également quelques images. Et puis ensuite, hier soir, j'ai lu Les Vallées Closes par Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. J'en suis à la page 206 sur 280 et quelques. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé, je pense que... enfin, j'ai pas trop de doute sur le fait que je vais le terminer ce soir. J'aime bien, par contre c'est vrai que l'écriture est assez spéciale. J'avais lu Mémoire de la forêt, c'est pas du tout la même écriture, alors que donc c'est le même auteur. C'est une histoire sur laquelle on a trois points de vue. On a le point de vue de Enzo, qui est un jeune garçon avec un handicap mental, qui a je crois 18 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Qui commence à travailler et il va faire un stage au service de comptabilité de la mairie, et il va faire son stage du coup auprès d'un comptable qui s'appelle Paul-Marie, qui du coup va être un des autres personnages que l'on va suivre. Et puis on va également suivre Claude, donc la mère de Paul-Marie. Claude-Marie, et à la période actuelle, on le sait depuis le début, il va être accusé d'avoir violé, d'avoir fait des attouchements, on ne sait pas exactement, sur justement Enzo, donc ce jeune qui est handicapé, mais nous on sait pas tellement si c'est vrai ou pas. Et du coup voilà, ça parle de tout ça, ça parle beaucoup aussi d'un milieu très rural dans lequel les préjugés sont énormes, et de toute façon comme Paul-Marie est homosexuel, il y a un peu le côté, comme il est homosexuel, il est pédophile, quoi. C'est un petit peu cette mentalité-là. J'ai pas mal avancé dedans, c'est vrai que l'écriture est quand même assez particulière, mais je trouve que ça se lit vraiment bien. Aujourd'hui, on est allé visiter l'Océanopolis de Brest, donc l'énorme aquarium à Brest. C'était vraiment super chouette. On a pu voir notamment des phoques. Et puis après ça, on est passé en librairie, donc cette fois-ci avec Adrien, puisque j'étais passée moi déjà samedi acheter deux livres. Aujourd'hui, j'ai acheté trois mangas et puis un livre. Pour le livre, justement, j'ai acheté le tome 2 de Mémoire de la forêt, donc les carnets de Cornelius Renard, donc également de Michael Brun-Arnaud. J'ai également acheté donc des mangas. Tout d'abord, je me suis pris le tome 4 de L'Éden des sorcières par Yumeji. J'avais bien aimé, vraiment bien aimé le premier tome, plutôt bien aimé le deuxième, mais pas des masses accrochées au troisième. Donc voilà, j'espère que celui-ci va un petit peu remonter la pente, sinon je verrai si je continue ou pas la série. C'est vrai que voilà, s'il y a deux tomes à la suite qui me plaisent pas spécialement, je pense pas que je continuerai et que j'irai plus loin. Sinon, également chez Kiwoon, c'est un éditeur globalement que j'aime beaucoup, qui fait des traits de dessin qui sont vraiment travaillés, qui correspondent du coup avec moi ce que je préfère en termes de manga. J'ai donc acheté les tomes 12 et 13 de Bright Stories, puisque j'aime vraiment beaucoup cette série. Mais en fait, j'ai lu tout le reste en médiathèque, et là où j'étais, ils avaient plus après le 11. Ils sont pas par exemple sur Isneo ou ce genre de plateforme en numérique, donc bon, j'avais pas mal hésité, et puis finalement j'ai fini par les acheter. Salut, je vous reprends pour conclure ce vlog. Concernant ma lecture des Vallées Closes, j'aurais pas grand chose de plus à vous en dire. Mon avis reste assez conforme avec ce que je vous avais dit avant. La fin n'est pas plus joyeuse, le vocabulaire est toujours très cru, il y a de très nombreux trigger warnings dans ce récit. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de dire si je l'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est un texte qui a clairement des qualités, mais de là à dire si je l'ai aimé, je suis pas sûre. Je pensais m'arrêter là pour ce vlog, mais hier j'ai été visiter le phare de l'île Vierge, qui est le plus haut phare en Europe, pour sa réouverture saisonnière, et comme c'était absolument superbe, la météo était vraiment top, du coup la vue était super dégagée, c'était magnifique. Du coup je vous mets ça juste après pour conclure cette vidéo, et puis sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut.